Alors cette année, chez Neosphere, les principales nouveautés sont tout à fait dans la logique des années précédentes. C'est assez naturellement une nouvelle version pour notre application collaborative MySphere. Et surtout, le renforcement de notre concept de bouquet de services avec la signature d'un certain nombre de nouveaux partenariats dans le domaine particulièrement des contenus de formation où nous avons annoncé un partenariat avec des gens comme Vodéclic ou encore Speaks de manière à fournir en un lieu unique à nos clients le maximum de services autour des ressources humaines. Précisément, dans cette logique un petit peu d'agrémentation des services offerts à nos clients, ce qu'ils apprécient principalement, c'est le fait qu'en un lieu unique, ils ont cette capacité d'avoir à leur disposition un bouquet de services, donc une offre totalement intégrée, une offre disponible à tout moment sur le web qui va permettre à leurs collaborateurs de se former soit dans le cadre du travail, soit même en dehors du travail, puisqu'on a des formations, et en particulier encore plus avec les derniers partenariats qui sont très intéressantes, y compris pour la vie privée des collaborateurs. Ça, c'est un élément très fort. Et le deuxième élément, c'est toute notre stratégie d'accompagnement des PME et des ETI qui est essentiellement basée sur des abonnements qui incluent une offre de services très riche et de conseils. Notre méthodologie d'accompagnement continu sur la durée des abonnements est quelque chose qui est très apprécié et qui va permettre aux PME généralement peu staffées, si je puis dire, d'un point de vue RH, d'avoir un consultant à disposition tout au long de cette durée d'abonnement pour enrichir leur processus. Principalement, si on se réfère un petit peu aux tendances génériques qui sont aussi répercutées pour nous, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le MOOC, selon la prononciation, c'est tout le côté un petit peu open, collaboratif, qui est à 100% dans la logique de ce qu'est MySphere, parce que MySphere c'est un vrai réseau dans lequel on souhaite responsabiliser les gens qui se connectent, et cet aspect MOOC, c'est une illustration dans le monde de la formation, c'est-à-dire que c'est véritablement faire tomber les barrières de l'accès à la formation, s'affranchir un petit peu des processus lourds qui peuvent exister dans les entreprises, mais véritablement faire confiance aux collaborateurs. Et MySphere est complètement dans cette logique, puisque c'est faire confiance aux collaborateurs, faire confiance aux managers, renforcer les relations de proximité, et c'est toute la partie collaboration.